Pas responsable du maquillage. Mesdames et messieurs, ma voix porte très bien, j'ai pas besoin de micro. Je sais que vous allez être très sage. Étant donné que le soleil est là, la cérémonie va durer 2h30. Et ensuite, vous picolerez. Mon nom est Monseigneur Bernard Quentin du Nouveau-Pensé de Montréal et je suis fort heureux d'être le célébrant de ces deux tourtereaux qui vont s'engager dans quelques minutes. Après 20 ans d'essai, dans le péché de 18 ans. Alors, mais quand même, je trouve que c'est des très beaux moments. Et laissez cette magie vous pénétrer. Et si vous désirez vous remarier, vous viendrez me voir. Mais pour le moment, vivez pleinement la belle union. Ils sont déjà mariés dans leur cœur. Mais aujourd'hui, c'est vraiment tout le rituel qui nous aide à comprendre l'engagement qui s'est fait il y a X d'années. Vous avez été conviés par Nathalie et Alain afin de partager ce grand moment de leur vie. Alors, il s'agit d'un jour bien spécial, puisque tous ceux qu'ils aiment, vous tous, vous êtes là pour partager ce grand bonheur. Et alors que vous les verrez s'engager l'un vers l'autre, je vous demanderai de vous joindre à moi afin de leur donner vos bénédictions et leur promettre votre soutien et votre amour. Ça me fatigue de voir je ne peux pas voir couler de maquillage. Alain et Nathalie, venez, madame. On fournit Kleenex. Merci, mother. Avez-vous pas ça de la peau? Non. Alain et Nathalie, avant de vous unir par les liens du mariage, je dois vous faire lecture de certains textes de loi qui vous exposent les obligations civiles que vous allez contracter. De l'article 392 à 96 du Code civil, on lit ceci. Les époux ont en mariage les mêmes droits, les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et ils sont tenus de faire vie commune. Autant que possible. Chacun des époux conserve en mariage de son nom, il exerce ses droits civils sous son nom. Et ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Les époux choisissent de conseil la résidence familiale. En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Et dernier article du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Ouf! Mon gouvernement va être content. Mais en tant que prêtre, en tant que pasteur, on a quand même un message spirituel que j'aimerais partager avec ces deux tourtereaux. C'est que
Le mariage symbolise l'union de deux âmes, mais cette union ne doit pas diminuer, mais rehausser l'individualité de chaque membre de cette union. Et un mariage qui dure en est un qui grandit continuellement et dans lequel chacun grandit tout en comprenant l'autre. La compréhension de l'autre n'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain, mais tout au long d'une vie commune. Cette merveilleuse compréhension développe un amour si grand que l'on veut comprendre le plus vite possible ce que l'autre ressent. Et cela est nécessaire afin de partager les joies et les succès, mais aussi les peines et les échecs. Et être compris de cette manière est un trésor inestimable, car cela permet de surmonter les problèmes, je devrais dire, les défis de la vie. Maintenant, je demanderai à Catherine venir prendre la place de Monseigneur et faire votre lecture. Est-ce qu'elle a besoin du micro? T'as-tu une bonne voix? Oui? Donc, le chemin de l'amour. Comme le tronc de l'arbre qui tend vers le ciel en creusant la terre profonde, l'amour s'engrandit en descendant. C'est l'axe de la vie qui prend pied pour s'élever et s'étendre. Tout s'y rattache et s'en nourrit, comme les branches et les feuilles qui s'élancent du tronc. Mais ce sont les nombreuses peines, les grandes épreuves qui en ébranlent l'arbre, lui donnant sa solidité et sa souplesse. Ainsi devient-il cette danse unique, cette sculpture exemplaire, ce bouquet de parfums et d'étoiles. De même, chacun doit avoir connu l'épreuve d'amour dans son corps, dans son émotion et dans son cœur, s'il veut être ouvert sur le monde. Ce sont les chemins que peut prendre l'amour pour s'accomplir en nous. Mais c'est dans la passion qu'il trouve son terrain de choix. C'est là que la sève créatrice s'assouplit, se fortifie et finit par rayonner comme une érable à l'automne. Mais c'est l'amour tendresse qui, après tant de peine et de nuit, illumine enfin le paysage. Des plaines d'histoire. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort. On va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort. On va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. S'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort. On va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort. On va s'aimer encore. Thank you.
demande à Christian maintenant de venir prendre la place de son Excellence. Sors ta voix de curé, faire ta job. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est partager des mots, des regards, des espoirs, des craintes. L'amour n'est jamais contraint. Il est joie, liberté, force. L'amour est en emportement et enthousiasme. L'amour est risque. L'aime, ils ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, économiser leurs sentiments. L'amour est générosité, l'amour est prodigalité, l'amour est échange. Qui donne beaucoup, reçoit beaucoup en fin de compte. Car nous possédons ce que nous donnons. Aimer, ce n'est pas mutiler l'autre, le dominer, mais l'accompagner dans sa course, l'aider. Savoir accepter l'autre tel qu'il est, être joyeux du bonheur qu'il trouve, l'aimer dans sa totalité pour ce qu'il est, laideur et beauté, défaut et qualité. Voilà les conditions de l'amour, car l'amour est une vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre. Merci.